les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la Memoridex et les ATC que j'ai fait pour faire un échange sur mon groupe Facebook. Tous les mois, je lance un événement, on fait en échange Memoridex, ATC ou autre. Donc là, j'ai fait 7 Memoridex. Alors, j'ai fait 7 pochettes. J'ai collé un demi-cercle avec ça. C'était les papiers qu'il y avait Action. J'ai découpé. J'ai mis un peu de neige là et le mot automne. Alors, je vous enlève le mot. La Memoridex est dans une pochette. Là, il y a un embellissement en bois. Là, j'ai découpé sur le papier qu'on a à Action. J'ai fait des petits tortillons en fer, j'ai collé des fleurs que j'ai vieillies avec l'encre vintage photo, il me semble que c'est ça. Et puis voilà, c'est tout. Ça c'est pour la Memoridex. Pour l'ATC, alors quand on échange des ATC, je donne un thème. Là c'était le thème de l'automne et la deuxième ATC c'était thème libre. J'ai fait une pochette, j'ai mis un petit sachet de thé. De l'autre côté, il y a mon petit mot. Donc, thème libre, j'ai fait sur ma région. Alors là, c'est de la vraie lavande que j'ai ramassée. J'ai fait sécher. Et là, je l'ai collé avec du gloss de Action. J'ai mis des petits papillons avec le 3D à paillettes de Action. Là, des petits brillants. Petit tag, hop là. Et pour la deuxième, c'était thème automne comme la Memoridex. J'ai mis des feuilles mortes à l'arrière, un petit cadre, les champignons avec le 3D neige de Action, le mot automne, les tortillons en fer et la petite feuille en bois. Voilà, c'était pour vous montrer ce que j'avais fait pour mon échange Memoridex et ATC. Si vous voulez nous rejoindre sur mon groupe Facebook, ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Et tous les mois, je lance des échanges ATC Memoridex. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.